Dans le monde du sport, la politique est un élément indissociable. Dans le cas de Bonaventure Kalou, la connexion va encore plus loin. L'ancien international ivoirien a joué pour le Paris Saint-Germain et le Feyenoord, mais c'est son nouveau poste qui pourrait s'avérer plus ambitieux, celui de maire de la ville de Vavois. Vous avez officiellement tourné la page de votre carrière sportive pour passer à la politique. Après 6 mois en poste, est-ce conforme à vos attentes ? Je pense que la politique est plus difficile que le football parce que les attentes sont plus grandes. C'est une question de vie ou de mort. Vous devez apporter beaucoup aux gens. Le sport, c'est plutôt pour apporter de la joie à la vie des gens. Mais en politique, vous devez changer leur vie. C'est plus sérieux, disons-le ainsi. Votre annonce comme candidat au poste de maire était une surprise pour certains. Pourquoi maintenant et pourquoi Vavois ? Pourquoi maintenant ? Parce que je pensais que c'était le bon moment pour me présenter. Pourquoi Vavois ? Parce que c'est ma ville. Même si je ne suis pas né là-bas, c'est la ville où mon père et ma mère sont nés. C'était donc un choix évident pour moi. Y a-t-il eu un moment clé qui a servi de déclic où vous vous êtes dit « c'est le bon moment pour faire de la politique » ? Oui, il y a eu un moment décisif. Malheureusement, cela est arrivé avec le décès de mon père. Ce fut une expérience choquante ajoutée à la mort de mon père de constater l'état de la ville. Je n'y étais pas allé depuis 10 ans. Avec la guerre et tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, l'état de la ville était pire que ce à quoi je m'attendais. J'ai décidé juste après ce moment de tenter ma chance. Comment une carrière dans le football, dans le sport, vous a-t-elle aidé à vous préparer à une carrière politique ? Vous n'êtes jamais préparé à rentrer en politique. Je pense que c'est une décision qui vient du cœur. Il faut être prêt parce que dans le football, il y a des gens pour tout faire pour vous. Mais en politique, il faut tout faire pour les gens. C'est ça la différence. Quelles sont vos ambitions non seulement pour ce poste à Vavois, mais également pour votre future carrière politique ? Si demain je ne suis pas maire de Vavois, si dans 5 ans je ne suis plus maire de Vavois, je veux laisser un héritage, comme les écoles, des infrastructures, car c'est le meilleur moyen de laisser une trace. Mon aspiration pour mon avenir en politique, je prends les choses jour après jour. Je ne fais aucune projection. Je veux d'abord réussir en tant que maire et je vais voir ce qui va se passer ensuite. Hello, bonjour et bienvenue sur le podcast Africa Today. Le Liberia a un nouveau président. L'ancien joueur de football George Weah a remporté une victoire contre Joseph Boakai. J'utilise toujours l'exemple de George Weah. Celui qui m'a ouvert la porte, car en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, les anciens sportifs, les anciens footballeurs ne sont pas pris au sérieux. Parce que dans l'esprit des gens, quand vous jouez au football, c'est parce que vous n'êtes pas trop intelligent ou parce que le football n'est qu'une voie réservée aux enfants pauvres comme nous. Mais avec cet exemple, avec George Weah, en tant que président du Liberia, cela montre que nous pouvons tous être ce que nous voulons être. We can all be what we want to be.